été vraiment... cette boucle, ça a été horrible, horrible pour nous. J'ai dû changer la poignée d'embrayage. J'ai perdu au moins 10 minutes. T'as de prendre les clés et tout ce qu'il fallait. Alors maintenant, ben, ça va quoi. C'est bon. En plus, elle était noyée. Ouais, elle est restée par terre, je ne savais pas la relever. Elle va rentrer par ses propres moyens sur Dakar. J'en veux pas de ça. J'ai pas de place. J'ai pas de place. Il y a une place. Ah, j'ai pas assez grand là. Trop petit. Dis donc, si ma femme voit ça à la télé, elle va pas me reconnaître. Poussez-vous de là, j'ai dit. Ça, c'est pas mignon. Ouais. Ça va tenir, mais enfin, là, ça colle pas. Hein. On ne devrait pas avoir trop de problèmes quand même. Michel Chélin, là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez d'arriver, il est 10 h du matin. Je suis arrivé il y a 1 heure parce que j'ai eu un petit problème, je me suis cassé la figure. Puis j'ai fendu mon réservoir. Comme il y avait une fuite, j'ai réparé un petit peu sur place. Ça tenait pas, alors j'ai fait 150 kg dans le pot avec une lanière. Je suis pendu le réservoir autour du cou pour arriver à venir rejoindre ici pour être au moins classé. Non mais je suis crevé, ça commence à faire. L'intendance qui suit plus. On n'a plus de pneus de rechange parce que le camion dans lequel on l'avait mis n'est pas là. Ça fait 3 jours qu'on l'a pas. On a 40 litres d'huile dans le camion. On a dû en acheter de l'huile pour faire les vidanges. Alors, je sais pas si le moral est toujours bon, mais tout se met contre nous. Alors, ça va commencer à devenir dur. Enfin, on va faire comme d'habitude, on va se débrouiller. Bon, on va essayer d'arriver à Dakar, c'est le but. Quelles ont été les raisons pour vous de votre départ dans ce Paris-Dakar? Oh, c'était voir autre chose, le goût de l'aventure, l'amour de la moto. Puis, Une moto, vous êtes tout seul, c'est pas un problème ça? Si, il y a un gros problème de navigation. C'est en voiture, vous avez un pilote, un navigateur, il y en a qui dit les coordonnées et l'autre qui les exécute. C'est-à-dire que nous, il faut faire les deux à la fois. Alors, ce qui se passe pour la plupart des motards, c'est qu'on lit pratiquement jamais le roadbook. Hein, c'est le hasard, on regarde, il y a de la fumée, on y va. Comme hier, j'ai vu de la fumée, j'y suis allé, mais j'ai fait 100 kills dans le désert, j'étais complètement paumé, sans retour, je suis tombé en panne d'essence encore en route après. Ça n'allait vraiment pas. Et je dois vous dire que quand on est seul dans le désert, on a un petit peu, les pétoches. J'ai pensé à ma fille. Je pensais, disons que c'est plus fort que soi. On se dit si jamais il y a une panne de moteur, lorsqu'il y a des kilomètres et des kilomètres de désert sur 360 degrés, c'est une certaine anxiété qui nous prend. Oh, je vous montre un filtre à air après 600 km de désert, quoi. Voilà, quoi. Vous savez, ici, ce qui prime beaucoup, c'est le système D. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Hein. C'est un système des merdes. Et puis, il faut réfléchir, il faut essayer d'improviser, de trouver une solution à chaque problème, même si c'est un peu sommaire. On espère que vous allez trouver la solution à ce problème-là. Eh oui, je vais essayer. Merci. Moi, je croyais avant la course que je savais un petit peu ce qui se passait ici, mais je crois que je me suis complètement trompé. C'est 10 fois plus dur, c'est 10 fois plus inquiétant et c'est 10 fois plus dur pour le matériel aussi. On dit que Paris-Dakar, c'est une épreuve qui apprend aux humbles l'espoir et aux champions l'humilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que c'est très, très juste. Hein. Parce qu'on est tellement seul, on est tellement perdu quand on est dehors, qu'on en a trop de retard sur les voitures devant. Des fois, il faut prendre de retard, autrement on ne voit rien dans la poussière. Alors, pour conduire plus ou moins sûr, il faut quand même une certaine distance sur la prochaine voiture. Alors, si elle passe derrière une colline, on est tout seul. Et là, on ne se sent vraiment pas du tout quelque chose de spécial. Comme toujours, d'ailleurs. C'est un véhicule de course. On n'a pas eu le temps de voir, mais enfin, c'est la course. Quand on joue le jeu, et voilà. Vous lui en voulez pas? Non, je pense pas, non. Mais vous avez eu de la chance de faire seulement un tonneau? On a eu de la chance de faire qu'un tonneau et de revenir sur les 4 roues. Parce que l'arceau a complètement éclaté et je pense que si on était resté sur le toit, je pense que ça aurait peut-être un peu plus fatal. L'année passée, on avait un but avec M. Herbery, c'était à tout prix de rallier Dakar et de finir la course. Et cette année, on a joué le jeu de préparer un véhicule super sophistiqué pour cette course. On a joué le jeu de la course, du chronomètre et on a roulé, on était bien classé, on voulait arriver avec un bon classement. Et ma foi, avec la vitesse, les risques sont plus grands et voilà quoi. Positif quand même dans cette expérience? Absolument positif et j'y reviendrai, ça c'est certain, avec d'autres moyens peut-être, avec une autre préparation, mais c'est très enrichissant et ça à mon avis c'est une expérience extraordinaire. Jean-François, du positif aussi? Oh ben, c'est-à-dire que c'est au moins à faire une fois je pense. Tout le monde, c'est à essayer, voir un peu l'expérience qu'on a. Bon, ça plaira plus à certains, moins d'autres. Je pense qu'il faut le faire une fois. Ça veut dire que vous ne reviendrez pas l'année prochaine alors? Moi, personnellement, je pense pas, non. Non. On dit que c'est un rallye où les plus humbles apprennent l'espoir et les plus couronnés l'humilité. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est bien. Il y a des chances pour tout le monde. Parce que je déplore beaucoup de choses au niveau du règlement qui transforment ce rallye en ce moment, en tout cas cette année, en un gigantesque jeu de signes de piste pour louveteaux africains. Ça n'a plus grand intérêt pour des vrais champions. Parce que, je vous disais, un petit peu une sorte de rallye surprise que l'on fait le dimanche dans les campagnes. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu moins compétitif. C'est un petit peu limité par le bas. C'est pas tous les jours que vous avez un petit déjeuner comme ça, mais c'est... Ah non, alors... Ça nous fait plaisir pour manger du beurre, surtout ça. On apprécie. Du café, on en boit assez souvent, on a fricato, ça. Ouais. On aura de beurre. Et du lait. Aiguillé, il ressort. Jamais vu une chose pareille. Le gars, il était là, assis, Il essayait de manger en dormant. Il mangeait sa salade de carottes et il dormait. C'était un motard. Et il est resté assis, figé sur sa chaise, et il dormait sur sa chaise. Avec la cuillère dans la bouche. Ça, dans ma vie, j'ai jamais eu une chose pareille. On avait dormi avec l'intégrale. Sans enlever le casque, il s'est endormi comme ça. Les mains dans la poche de la combinaison, les genoux pliés, et dormait là. Ouais, pour eux, ça doit être encore plus dur que pour eux. Mais t'étais tout à... Nous, on était sur une piste comme ça, t'étais dans le mou, t'étais sur la piste tout à gauche. Il y avait un grand lac. Ouais. Puis je t'ai vu arriver comme ça, là, puis j'ai dit, c'est une Subaru. Ouais. Il y avait un grand lac, on pouvait aller à fond, là. Ouais, mais on sait pas où on allait. Ouais, on savait pas où on allait. Ouais. De toute façon, la mire, ils sont comme l'Indien qui cherche les traces. Là, ça peut pas tenir. Allez voir sur le rebord, là. Ça, c'est faible. Là, c'est faible. Là-bas, c'est dur, le bois. Mais c'est le mur. Ouais, mais le mur, je casse en deux, là. Finalement, est-ce qu'on se fait plaisir, quand même, sur un rallye comme ça? Non, pas terriblement, parce que actuellement, en étant du métier, on s'aperçoit plus on va en lac, c'est du démonte mécanique, ce n'est plus terriblement de la course. C'est bien beau, il y a des jours qui sont fantastiques, mais certains jours, c'est plus de la course. Du démonte mécanique, c'est des cailloux, du 5 à l'heure, du 8 à l'heure sur des cailloux. Ce n'est plus de la compétition, c'est de la varappe en voiture. Elle a un peu pitié pour les voitures, alors c'est ça. Et puis, pour nous, qu'on est du métier, qu'on est amoureux de la mécanique, on s'aperçoit qu'aucune mécanique n'arrive à tenir. Et si on n'a pas une assistance derrière, actuellement, on n'a aucune possibilité de finir un rallye de Paris-Dakar. Le rôle de l'assistance est très important. Très, très important. Et il faudra avoir encore plus d'assistance parce qu'il faudra arriver à l'étape que le pilote puisse dormir, pas s'occuper de la mécanique. Mais comme nous, nous sommes des amateurs, on est obligé de faire la mécanique le soir. Et arriver, les casques qu'on a eus, on est obligé de s'occuper de faire la mécanique. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et la coexistence à deux pendant de si longues heures dans la voiture, ça ne pose pas de problème? Actuellement, ça ne m'a pas posé de problème. Je sais qu'il y a des équipages, c'est très tendu. Il faut, si possible, choisir son coéquipier. S'il y a un nerveux, un calme, ça va. Mais s'il y a deux nerveux, je pense que ça ne veut pas aller. Merci, je vous laisse continuer les réparations. Merci. Il est plié, là. Ouais, il faut sortir. Allez, vous sortez derrière. Oui, tu veux une grave? Oui, deux, trois, parce que j'allais attacher qu'à péter, là. Une grave, j'ai retrouvé. T'en as qu'une? Tu veux que je fasse des recherches? Mais il faudra me sortir la pièce, là. Le moyeu, alors, faut sortir les pièces. Tu vois, moi, je vais rattacher ça. Mais ça t'enlève, ça. Ça qui branle. T'enlève, ça. On le fout loin. Alors, ça qui branle. Il est crevé, tu démontes là, tu le fous loin. Ça, faut qu'on le rattache. Ouais. Ça, tu le fous loin. Tu fous loin, ça. Il est foutu, il est foutu. J'ai fait un travers. Je vais me jeter, j'arrête, j'attends. T'as roulé à côté de moi? Ouais. Quand? Le soir, avant qu'il passe nuit un peu. J'ai besoin du gant. Il faut me donner autocollant. J'ai pas d'autocollant. J'ai rien là. Quoi? De l'argent? Ouais. Pas d'argent de la poche. Autocollant. J'ai pas de chapeau. On avance. C'est parti.